Vous êtes amateur d'aventure, de poussée d'adrénaline et de sensations fortes? Alors bienvenue. Je vous ai préparé aujourd'hui un top 10 des routes sur lesquelles vous ne voudriez pas aller. Vous pouvez me croire, il faudrait me payer très cher pour emprunter la route numéro 4. Prêt pour le grand frisson? C'est parti! Salut les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Cette vidéo est faite en partenariat avec Amazon Prime Video. Amazon Prime Video vous permet de regarder gratuitement en streaming ou de télécharger des films et des séries top. En cliquant sur le lien dans la description, vous avez droit à un mois d'abonnement gratuit Amazon Prime Video. Numéro 10, la Dalton Highway. Cette route est située en Alaska. Et croyez-moi, vous ne voulez pas l'emprunter. Cette autoroute, si on peut l'appeler comme ça, est l'une des plus isolées du monde. Elle est longue de 666 km, le chiffre du diable, et ne traverse que 3 villages. Autant dire que ce n'est pas le bon endroit pour tomber en panne. Numéro 9, le tunnel Golion. C'est sûr et certain, vous ne voulez pas emprunter cette route. Elle est située en Chine, dans la province de Henan, et longe un flanc de montagne. Sauf qu'elle ne contient aucune barrière de sécurité. Elle est aussi composée de tunnels et de tournants vertigineux. Très peu rassurant cette histoire. Numéro 8, la route de Colima. Cette route est certainement l'une des plus effrayantes du monde. Elle est située en Russie et a été construite sous les ordres de Staline. Elle a été entièrement bâtie par des hommes du goulag. Cette route est particulièrement lugubre, surtout si on sait tous ceux qui sont morts en la construisant. Et vous, oseriez-vous l'emprunter en pleine nuit? J'attends vos commentaires. Numéro 7, la route de Tianmen. Cette route, située en Chine, est certainement l'une des plus dangereuses du monde. Elle ne fait que 11 km. Mais elle contient 99 virages et 1200 mètres de dénivelé. Ces virages sont presque tous à 90 degrés ou plus. De quoi donner le tournis même aux plus résistants d'entre vous. Mieux vaut ne pas avoir le mal des transports. Numéro 6, le pont Eshima Ohashi. Ce pont est situé au Japon. Il mérite amplement sa place dans ce classement des routes les plus dangereuses. Ce pont n'est absolument pas droit et comprend une pente abrupte. Il vaut mieux avoir de très bons freins pour oser l'affronter. Le démarrage en côte doit aussi être particulièrement compliqué dans ces conditions. Numéro 5, le col Saint-Gothard. Ce col se situe en Suisse, et croyez-moi, vous ne voulez pas l'emprunter. Sa descente en serpentin a de quoi donner la nausée à n'importe quelle personne sensible au mal des transports. En cas de brouillard ou de temps pluvieux, cette route devient carrément dangereuse. Il vaut mieux vérifier ses freins avant de l'emprunter. Numéro 4, la route Kardongla. Cette route est située en Inde. Elle est située à 5359 mètres d'altitude. Elle est donc la route de Macadam, la plus haute du monde. Elle traverse une partie de l'Himalaya et est perdue au milieu de nulle part. Entre flancs de montagne et tournant en tête d'épingle, mieux vaut être préparé avant de l'affronter. Numéro 3, la route
Sojila. Cette route est située en Inde. Et croyez-moi, vous ne voulez pas l'emprunter. Elle longe un flanc de montagne escarpé, sans aucune glissière de sécurité. Évidemment, elle est extrêmement étroite et juste assez large pour laisser passer une voiture. Elle est considérée comme l'une des plus dangereuses du monde. Et vous, vous oseriez l'emprunter? Dites-le-moi dans les commentaires. Numéro 2, l'autoroute Anna. Cette autoroute est l'une des plus insolites du monde. Elle est située sur l'île de Hawaï et longe la côte à flanc de montagne. Escarpée et étroite, elle est réservée aux conducteurs sur deux et prêts à prendre des risques pour admirer la vue. Autant dire qu'il vaut mieux bien savoir gérer ses virages. Numéro 1, la route des Yungas. Attention, voilà la route la plus dangereuse du monde. Elle est située en Bolivie et suit le flanc d'une montagne sur une soixantaine de kilomètres. Bien sûr, cette route ne contient aucune barrière de sécurité. Elle est si dangereuse que près de 300 voyageurs y perdent la vie tous les ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour avoir un mois d'Amazon Prime Video gratuit. Partagez la vidéo, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo.